Mais d'abord, je voulais vous dire une chose, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, que je vais arrêter FIFA, du moins l'Ultimate Team, parce que voilà quoi, j'ai pas envie de vous mentir là, gars, que moi l'utilité, l'Ultimate Team, voilà, c'est bien, on est d'accord, c'est bien et tout, mais et à un moment, il faut pas déconner quoi, il faut arrêter de déconner en fait, tu vois. On te sort des SBC de malade, on te fait tout, on te fait tout, on te sort toutes les cartes du jeu pour te dire au final, bah voilà, bah écoute, regarde encore ici, choper Toni Kroos qui ne rentre pas dans l'équipe, il n'y a aucun joueur qui rentre dans mon équipe. Après je peux pas me plaindre parce que j'ai dans le pack 85 j'ai eu 83, ouais, 85 j'ai eu Za et l'ultime j'ai eu Son. Bah voilà quoi, tu sais, il y a un moment il faut arrêter. Donc ici voilà comme je disais, hein, on était à 60, 95 et on est monté à 61. Donc voilà, il y a un petit moment il faut vraiment se dire peut-être stop et peut-être arrêter de se voiler la face et je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais moi pour l'instant, du moins sur PC, parce que sur PS4, voilà, sur PS4 il y a beaucoup plus de choses à faire comme l'achat-revente, etc. Parce que l'achat-revente ici est extrêmement dur. Je peux vous montrer ça, hein, je peux vous montrer ça tout de suite. Donc on va aller dans transfert. Transfert. Et on va prendre hors commun. Tac. Tu verras qu'il n'y en a pas à 400 déjà ici. 750, le moins cher que je viens de voir là, il y a 700. Et encore, t'as vu le nombre de pages qu'il y a? Il y a que ça, les gars. Il y a que ça, d'accord? Donc sur PS, ben nous sur PC on a 563 204. Donc à l'heure auquel je vous parle, il est 20h24, d'accord? Comment tu veux toi faire de l'achat-revente avec ça? Tu vois? Comment tu veux faire? Donc il y en a beaucoup qui me disent, ouais bah tu fais ça, tu les prends à 350. Ouais mais je suis d'accord avec vous, hein. Et regarde le premier. Le premier il a 28 minutes. Il a 28 minutes les gars. Moi franchement je déconseille FIFA sur PC. Après je suis content parce que voilà, je peux jouer à FIFA etc. Mais je le déconseille pour ceux qui veulent faire de l'Ultimate Team. Franchement je le déconseille. Parce que c'est honteux en fait. C'est complètement honteux. T'imagines le temps que tu dois attendre 28 minutes pour avoir un joueur à 350. Mais les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. Allez, sérieusement quoi. Ici, c'est la première fois de ma vie. Ben, c'est la première fois depuis le début de FIFA que j'arrive à être Elite 2. Parce que la dernière fois que j'ai fait, j'étais Elite 3. Mais t'as vu le nombre? Elite 3, 33 000. Ben, on va compter 30 000. Et ici, 50 000. Il y a quand même 20 000 points. Et de 50 000 à 61 000, il y a 11 000 points. Donc à la rigueur, ça peut encore aller. Mais il va monter à tout. Il monte toutes les 2 minutes. Regarde, mise à jour classement dans 2 minutes 30. Il va encore monter. Donc voilà les gars, moi personnellement je le déconseille vraiment et voilà, bah en tout cas j'espère que dans les commentaires il y en a qui vont me dire quoi faire ou peut-être si vous avez des astuces pour justement monter ça plus vite parce que je sais qu'il y a énormément de joueurs sur PC et je voulais savoir une chose aussi, est-ce que Assassin's Creed Valhalla, eh bien pourquoi je demande ça? Ben parce qu'en fait, si, j'ai déjà joué à Assassin's Creed, mais j'ai joué juste à The Unity, donc un des premiers. Et voilà, j'aime bien un peu les jeux d'aventure. Au début, je voulais acheter le jeu Uncharted, mais on m'a dit que Uncharted était spécialisé spécialement pour PS4, donc tant pis. Mais voilà, j'aimerais bien jouer à des jeux d'aventure style comme Uncharted, comme Uncharted, comme Uncharted. Donc si vous avez des jeux, bah, dites-moi dans les commentaires. En tout cas, un grand merci à vous. C'était Nicotix22 et ciao ciao.